Bonjour tout le monde, c'est Ti. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour les favelas. Oui, je vois, ça y est, c'est long, mais c'est pas grave. Surtout que là, regardez la taille de la vidéo, 1h12 de vidéo. Sachant que j'ai parlé très très peu, mais que j'ai travaillé énormément sur les favelas. Est-ce que j'ai fini les favelas? Absolument pas. Mais j'ai énormément bien avancé, je pense. Et j'espère que ça vous plaira. Il y a une maison pour l'un d'entre vous. Que dis-je, un HLM. Rien que pour vous. Rien que pour l'un d'entre vous. J'ai pas mal avancé comparé à ce que j'avais fait. Enfin, demain. Enfin, dit que j'allais faire la prochaine fois. Toujours autant bourré d'autocollants et j'en passe. Et voilà quoi. Je dois dire que je suis assez fier de tout le résultat. Vous voyez le HLM jaune là au fond? Bah, je suis allé jusqu'à là-bas, même plus loin. Je suis assez content. Et j'ai commencé à mettre des choses de côté que je vais utiliser par la suite assez souvent. Pour m'éviter de les reconstruire. Et du coup, je le mettrai, si vous le souhaitez, sur le workshop à la fin des favelas. Si vous en avez besoin ou pas. Je sais pas, à vous de voir. Bref. Moi, je vais juste vous souhaiter une bonne vidéo. Je vais vous laisser avec l'accéléré. Et puis, je vous reprends tout à l'heure.
Thank you.
Re tout le monde. Alors, je trouve que j'ai quand même pas mal avancé aujourd'hui, puisqu'on a commencé d'ici. Donc, alors, ça c'est le nom d'un supermarché, enfin d'un commerce qui se trouve au Brésil, au du Brésil, et qui arrive en France d'ailleurs apparemment. En faisant les recherches, j'ai vu ça. Du coup, je sais même plus ce que j'ai fait, je suis désolé. Ça je l'ai fait ou pas? Je sais plus. Non, ça je l'avais pas fait. Donc là, on a la petite baie vitrée pour les citoyens. Là. Donc le vitrage a été fait là. On va ici. Donc le plafond, pareil. Ici, donc c'est tout un tas d'immondices. J'ai essayé de faire des sacs poubelles, mais c'est un peu dur. Comme d'hab, beaucoup de dégradation, de trucs pas beaux. Enfin, des trucs pas beaux. Des autocollants. Les petits bancs, quand même, histoire d'eux. Hein, avec cette petite barrière en tôle. Le terrain de basket, il n'est pas à l'abandon, hein, c'est juste simplement les favelas qui laissent ça comme ça. Quoi. Voili voilou. Ah putain, mais pourtant je l'avais enlevé ça. Bon, je verrai ça la prochaine fois. Ici, donc, on a une petite cabane rose qui était à côté du terrain de basket. Donc voilà, ça commence à vraiment ressembler à faire beau. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce que je fais. Et les choses différentes, je trouve ça assez cool. Ici on a donc une entrée pour une maison. Voilà. Donc là une autre maison. Ici, on va y aller après. Ici donc on a le générateur. Là c'est pareil, c'est un peu de nature mais avec des détritus. Ici, un peu de nature pour faire joli, mais avec des détritus. Oui, j'ai exagéré pour le coup, mais vu l'état des favelas que j'ai en photo, je me dis que c'est limite plus beau là que là-bas. Quoi. Ici, on a un petit couloir, un petit chemin pour rentrer dans deux maisons, avec un toit pour une maison là. Hop, hop, hop. La petite maison rose, donc ça c'est fait. Et donc ici, on a le premier HLM qui est fini, qui est le HLM de Thames & Company, hein, que j'ai mis là. Pourquoi j'ai mis un marché à l'intérieur, pourquoi avoir mis un marché dedans? C'est parce qu'il jouait énormément à Farming Simulator. Alors ça me faisait rire de dire ça, de faire ça. Je trouvais ça assez sympa. Les petites ventes de légumes, le lait, les œufs, les poupoules. Enfin, j'ai bien décoré. Au-dessus, on monte. Donc, on a la réserve d'eau. Donc, j'essaie toujours d'essayer. Enfin, j'essaie toujours de faire un truc différent, mais c'est un peu difficile. Le petit pont, parce que là, nous avons une réserve qui est cachée à l'abri des regards de cocaïne. Ouais, c'est un dealer. Du coup, ensuite, on continue. Alors. La maison rose c'est fait. À la maison verte que je viens de finir. Donc la petite entrée. Ici on a une autre sortie. Le petit, la petite fenêtre. Toujours avec la clim et tout. Un petit potager vite fait. Et le ça je vais le faire encore plus tard. Je vais faire le reste aussi plus tard. Tac tac tac. Donc la prochaine fois... Alors là, vous avez vu, j'ai quand même pas mal avancé comparé à ce que j'avais dit. La prochaine fois, je vais essayer de continuer à avancer. En fait, je peux avancer plus vite le lundi, parce que le mardi, mercredi, j'ai plus de travail, en fait, que le week-end. Donc là, en fait, j'ai commencé samedi soir et j'ai continué tout dimanche, en fait. Oui, je suis très lent, je suis désolé. Mais faut les poser hein, tout ça, hein, et c'est pas regarder le résultat quand même, c'est pas n'importe quoi. Enfin, je sais pas, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Je sais pas. Bref. ça prend énormément de temps, je trouve, mais bon, c'est pas... du coup, pour jeudi, je vais essayer de faire cette zone-là, au moins. Et comme ça, pour lundi, je vais faire cette zone-là. Il y aura une maison de l'un d'entre vous qui m'avait demandé une maison près du stade de foot. Il faut que je fasse aussi toute la déco là, donc il y aura la végétation. Ce qui fait qu'il ne restera que les bâtiments du bas. Et si j'ai le temps, je continuerai à les faire
Histoire d'aller t'avancer, quoi. Mais on y est presque, hein. Franchement, là j'ai bien avancé, je suis assez fier de moi. On y est presque, il reste cette zone-là, ouais, allez, faut vraiment grand max 3 vidéos, grand max 3 vidéos, faut que je me dise ça, grand max 3 vidéos. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Et franchement, ça rend pas mal, hein. Ce problème, c'est que là, il y a 3 max vid... enfin, max 3 vidéos, mais il va avoir des petits trucs après qui va être dans les favelas. Oh là là, attends quoi, je me suis embarqué. Mais oui. Bref. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Je suis assez fier quand même de ce que je fais là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.